Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 24 de notre Robocop. Voilà, allez, avant de commencer la vidéo, on pense bien à s'abonner si ce n'est pas déjà fait, à me lâcher un gros pouce bleu et à partager. Voilà, allez, on est parti. Donc, voici nos pièces, enfin la pièce pour ce numéro 24. Une très grosse pièce. On continue notre cuisse gauche. Donc là, on l'a presque terminé. Il manque encore quelques numéros, mais on touche au but. Notre pas à pas bah, qui va être relativement court hein, pour ce numéro 24. Comme on peut le voir, on va venir fixer donc cette hanche, tout simplement. Tout simplement, on va venir fixer la hanche. Hop, je reviens là-dessus, puisque là, on va avoir un petit détail à venir mettre de côté. Donc, ne le perdez pas. Voilà. Et toujours, notre vue de progression, comme on peut le voir ici. Donc, il va nous rester encore toute cette partie-là. Là. Et on aura fini notre jambe gauche. Et après, je vous le donne en mille, et ben, on attaquera la droite. Bah oui, forcément. Allez, sans plus attendre, on va passer tout de suite au détail des pièces. Donc, voici le détail pour cette pièce, tout simplement. Pièce métal. Entièrement en métal, franchement ça fait très plaisir, ouais, ça fait super plaisir, elle pèse son poids, c'est du costaud, non franchement c'est vraiment top, c'est vraiment 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 top. Voilà, ensuite on a ce petit détail qui va venir au niveau de la cuisse, mais que on ne perd pas, il va falloir mettre bien de côté, puisqu'on le mettra beaucoup plus tard. Enfin, beaucoup plus tard, dans un ou deux numéros, à mon avis. Voilà, et puis, nous avons ici nos vis EM. Bah écoutez, vous savez quoi? On passe au montage. Donc, alors, étape 1, on va venir positionner notre pièce à cet endroit, comme ceci. Donc, hop, voilà, elle se positionne toute seule. On va venir gentiment retourner l'ensemble. Et à cet endroit, ici, là, on a deux trous pour nos deux vis. Donc, regardez, ça tient déjà tout seul. On va prendre nos deux vis EM. On visse dans du métal, donc je vous conseille de prévoir un petit peu d'huile, hop, un petit bain d'huile de la vis et on vient fixer le tout. Là, je vais juste faire prendre un petit peu la première vis. Hop. Je vais prendre la deuxième. Voilà. Et ensuite, on va venir serrer le tout. Ce truc là décidément on ne veut pas tenir. Voilà, hop, je range mon huile et donc voici ce que ça donne. Allez, hop,
on va mettre une vue comme ça. Bah, ça rentre même pas. Ça rentre même pas dans le cadre. Hop, comment ? Voilà. Bah, là, écoutez, regardez. Regardez ce que ça donne. Ah, ça va être un truc, mais alors, franchement, mais énorme, énorme. J'adore. Ah ouais, non, franchement, moi, je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas du tout. Voilà, donc, bah là, on a la hauteur définitive hein, de cette jambe gauche. Hein. Voilà, on voit. Je ne sais pas si on voit bien, mais hop, je vais le mettre plutôt comme ça. Voilà, on va revenir comme ceci. Voilà, et ben on a un sacré morceau quand même. Vraiment un sacré morceau. Voilà, j'ai de l'huile partout. Bon, bah écoutez, la petite pièce qu'il va falloir bien venir mettre de côté et ne pas perdre. Et puis, bah voilà, on a fini notre numéro 24. Je vérifie, oui, non, j'ai rien oublié. C'est bon parce que ça peut arriver, mais non, non, non. Voilà. Bah écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao, ciao. Thank you for your cooperation. Good night.